Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du caractère, si vous venez vivre en Russie, si vous venez en vacances en Russie, du caractère spécifique des Russes. Sachant que je ferai une différence entre les hommes et les femmes. C'est à peu près le même, mais il y a une différence quand même. Je vais essayer de vous faire comprendre le caractère des Russes en vous donnant des exemples. Quand vous êtes dans la rue, tout le monde fait la gueule. Ça, c'est systématique. Tout le monde fait la tête, tout le monde regarde ses chaussures, tout le monde avance vite, ils marchent à une vitesse, je ne peux pas les suivre. Quand ma femme marche dans la rue, je ne peux pas la suivre, faut qu'elle ralentisse parce que je n'ai pas cette vitesse de marche. Et je connais pas grand monde qui l'a d'ailleurs, parce que ils marchent vraiment très vite. J'ai même vu en hiver sur la glace des femmes marcher en talons. Alors, ça, c'est incroyable. Avec des grands talons aiguilles. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples, sachant que ce que je viens de vous dire aussi, juste pour préciser, je donne toujours cet exemple. Le russe, c'est quelqu'un qui fait la gueule, mais si par n'importe quel moyen vous arrivez à briser cette petite glace qu'il a devant le visage, ça devient votre ami pour la vie. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de gentil, de tout ce que vous voulez. Juste en disant bonjour, juste en disant... Je sais pas, n'importe quoi, juste en vous connectant avec ces gens, même dans la rue, en disant un mot, la personne se retourne et pof, ça y est, cette petite vitre est cassée. Et vous. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Donc, un exemple. J'ai vécu plusieurs années à Kazan, et pour vous expliquer. J'ai entendu une fois une femme se faire agresser, alors c'était par son mari, qui la dispute a fini en bas de l'immeuble, en fait, si j'ai bien compris. Et c'était assez violent. Et en fait, dans les 500 mètres carrés ou kilomètres carrés tout autour, tous les hommes sont arrivés. Tout le monde. Ils se sont retrouvés à 30 ou 40 bonhommes à attraper le mec et puis en attendant la police. À secourir la femme, à l'aider, à lui panser le sang qu'elle avait sur le front, enfin bon, voilà. Donc, voilà, le genre de choses qui existent. Et c'est comme ça, souvent. Hein. Ensuite, si vous allez au magasin et que vous payez et vous oubliez votre porte-monnaie à la caisse, alors, je parle toujours de mon village et des petites villes, hein. Je parle pas de Moscou, Saint-Pétersbourg, là, je sais pas comment ça peut se passer. Mais même à Kazan, qui est 1,5 million d'habitants, si vous oubliez votre porte-monnaie, moi je suis revenu 3 jours plus tard, parce que je ne savais plus du tout où je l'avais mis, mon porte-monnaie, et je suis revenu au magasin, j'arrive à la caisse, et qu'est-ce que je vois à la caisse? Mon porte-monnaie, qui était là où je l'avais laissé, avec l'argent dedans, avec mes papiers, avec tout, enfin, ben, personne n'avait rien touché, personne n'avait rien pris, et voilà. Voilà le genre de choses. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, j'en ai parlé à quelqu'un justement il y a pas longtemps, là, justement, avec qui je parlais de ce sujet-là. Ça m'a donné l'idée de cette vidéo, justement. À Kazan, il y avait le jour des pommes de terre, c'est-à-dire que le marché était complètement remplacé par des camions bennes de patates. Le kilo était vendu à 6 roubles, donc ça fait rien du tout, quoi. Enfin, en euros. Et les gens viennent tous avec des caddies, avec, vous savez, les caddies des grands-mères, hein, pas les caddies des supermarchés, les caddies avec 2 roues et puis une espèce de gros sac en tissu, hein. Ou même pas de sac du tout, mais avec des tendeurs. Enfin bon, bref, ils viennent avec ce qu'ils ont. Et les gens achètent 50, 100 kilos, 200 kilos de patates pour passer l'hiver. Ils les gardent chez eux, ils les mettent à la cave dans l'immeuble et puis ils ont des patates pour tout l'hiver. Donc tout le monde vient. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de patates à vendre. Et je sors de chez moi, puisque j'habitais juste au niveau du marché, en fait. Et je sors de chez moi, et qu'est-ce que je vois? Un homme, une femme et leur fils, ou leur fille, je ne sais plus, qui descendent le trottoir avec ce sac, ce caddie plein, et le caddie éclate. Le sac éclate, et les 50 ou 100 kilos de patates se retrouvent sur la route. Et ben, tout le monde s'est arrêté. Tous les gens, même si c'était pour ramasser une ou deux patates, parce que ça avait roulé vraiment partout, tout le monde a été ramasser les pommes de terre.
Il y a un monsieur qui est venu avec un grand sac, vous savez, les grands sacs blancs où on met les graines. Moi, c'est là-dedans que j'achète les graines pour les animaux. Les voitures se sont arrêtées, les gens sont sortis des voitures, ont été aidés à ramasser les patates, et les gens sont repartis en disant merci à tout le monde, quoi. Voilà. Ça, c'est une mentalité qui est assez générale. Comme je vous ai déjà raconté aussi, mon beau-frère reçoit un arbre sur sa maison, toute la rue s'y est mise, tout le monde est venu, tous les hommes sont venus, toutes les femmes sont venues aider, ramasser, les hommes qui savaient monter sur les toits pour mettre pour réparer, couper le bois, tout ça, bah, ils le faisaient, les autres couper le bois en bas avec les tronçonneuses pour refaire un toit, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a mis à la main la poche aussi pour que la somme totale, ça paye le bois qu'ils ont été chercher à la scierie. Et voilà, et ils ont remboursé, mon beau-frère a remboursé petit à petit. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il y a comme ça que moi perso, j'ai jamais vu en France. Hein. Peut-être que vous allez me dire, vous l'avez peut-être vu, et tant mieux, mais moi, j'ai jamais vu. Ou alors peut-être que ça existait du temps de nos grands-parents, mais aujourd'hui, non. Ou peut-être que ça existe à la campagne aussi, hein, en France. Voilà, ça serait très bien. Donc concernant le caractère des Russes aussi, qu'est-ce que je peux vous dire? Que les hommes russes, faut pas les emmerder. C'est pas comme en France à faire des blagues, des machins, tout ça. Non, ils font pas des blagues. Ou alors, vraiment rarement, mais bon. Par contre, si vous êtes amis avec eux, ils font tout pour vous. Vraiment tout. Ils vous font des cadeaux, ils vous emmèneront à la chasse, ils vous emmèneront à la pêche, ils vous emmèneront avec eux aux champignons, parce qu'ils connaissent les coins, parce qu'ils vous emmèneront à ch chercher des herbes médicinales dans la forêt, parce que ça aussi c'est très très présent ici, les herbes médicinales dans la forêt, presque plus que les pilules. Je crois que les pilules c'est très français, si j'avais lu une statistique, c'est en France qu'il y en a le plus, je crois, que les gens en prennent le plus. Voilà, donc. Il y a des sortes de champignons qui se font sécher et qui servent à soigner je ne sais pas quoi. Il y a des fleurs jaunes, là, je me souviens, qui servent pour. Par exemple, ma femme, elle a des problèmes avec ses reins, qui lui font du bien quand elle boit ses fleurs en tisane. Il y a plein de choses comme ça. Alors, il y a une chose qu'il faut ne jamais, 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 jamais oublier en Russie, c'est le jour. C'est le 8 mars, je crois que c'est le 8 mars. Je crois que c'est le 8 mars, oui, le jour des femmes. Et il ne faut jamais oublier d'acheter des fleurs. Que ça soit à votre femme, à votre belle-mère, votre fille, c'est le truc, si vous oubliez, vous vous faites tuer. Mais je vous jure, c'est obligatoire, quoi. Il n'y a pas le choix. Donc vous voyez même des hommes. À midi, avant le déjeuner qui est prévu chez la belle-mère, ou je sais pas quoi, qui ont oublié, ou je sais pas, qui étaient partis à la pêche, ou j'en sais rien, qui reviennent et qui courent partout dans la ville pour essayer de trouver des fleurs, des fleuristes où il y a encore des fleurs parce que tout a été acheté, donc ils courent partout, complètement paniqués, ça se voit sur leur visage. Et ça, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut pas oublier. Les femmes russes en général sont très gentilles, sont très attentionnées pour leur mari, pour leur famille. Elles ont un gros défaut, c'est qu'à mon avis, elles ne savent pas éduquer les garçons. Ça donne des garçons qui travaillent pas trop à l'école, qui sont en roue libre, qui font ce qu'ils veulent. Et puis quand ils sont adultes, eh ben, j'ai vu par exemple, alors ça m'avait choqué, j'ai vu une dame chez le dentiste, où ma femme travaillait chez un dentiste, et je vais la chercher et je vois la comptable qui vient avec son petit-fils, je crois que c'est son petit-fils, qui avait 10 ans, et le petit-fils avait son lacet qui était défait, et sans rien dire, en fait, il tend la jambe à sa grand-mère. Et sa grand-mère refait le lacet. Et moi, quand j'étais gamin, j'aurais pris un coup de pied au cul, et puis j'aurais vite appris à faire mes lacets tout seul. Donc ça, et ce que je vous dis là, c'est pas qu'une anecdote, hein, je peux vous en citer plein comme ça, hein. Donc voilà. Alors voilà un petit peu le caractère des Russes. Donc il faut faire attention, il faut pas dire n'importe quoi. Ils sont très patriotes. Bon, ça tombe bien, je le suis aussi. Ils aiment leur pays plus que tout, contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter. C'est n'importe quoi, des conneries qu'on vous dit en Europe, c'est hallucinant.
Ils votent tous pour Poutine, oui, parce que c'est une personne qui leur a rendu leur dignité, leur fierté, après ce qui s'est passé dans les années 90, qui a ramené une économie au pays, qui a multiplié par 10 les salaires, parce que ça, faut pas oublier ce qu'il a fait sur 30 ans quand même. Voilà, donc ils aiment leur pays, ils aiment leur famille, ils aiment les gens, ils nous aiment beaucoup, les Français. J'ai l'habitude de leur dire, et ils sont d'accord avec moi, que dans le monde entier, de tous les pays, il y a des alliances, il y a des machins, tout ça. Mais il y a deux seuls pays qui aiment vraiment le peuple de l'autre pays, c'est la France et la Russie. Alors on pourrait aussi dire les Italiens et les Russes aussi, parce que les Italiens ont une certaine histoire avec la Russie, et les Russes aimaient beaucoup Adriano Celentano, et ça a été un ambassadeur pour l'Italie incroyable, parce qu'ils sont tous amoureux de lui, ils sont de ses chansons, tout ça. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo parce que on est à 11 minutes, et si j'ai bien compris, ça coupe toujours à ce moment-là. Donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que j'ai été clair.